Eh bien bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une petite série animée dont vous me direz des nouvelles. Ça s'appelle Hilda et c'est sorti le 21 septembre 2018 sur Netflix. La série se concentre sur Hilda, petite fille à croquer aux cheveux bleus qui vit seule avec sa mère dans un petit village. Très vite, on comprend que Hilda est vraiment mature pour son âge, qu'elle a déjà assimilé de nombreux concepts et qu'elle est très ouverte d'esprit. Ayant peu d'amis, à part son petit renard qui fait fondre les cœurs, sa mère déplore le fait qu'elle n'ait aucune vie sociale et décide alors de déménager à Trollbourg. Ce qui au premier abord ne réjouit pas du tout Hilda, qui s'était bien habituée à sa petite vie et à sa forêt enchantée. Car oui, il est admis dès le début que le fantastique sera présent. Arrivée dans la nouvelle maison, tout s'accélère. Elle fait des nouvelles rencontres, se lie d'amitié avec d'autres enfants, mais surtout avec différents êtres magiques qui rythmeront alors sa vie. À ne pas prendre à la légère, cette petite douceur d'animation ne nous prend vraiment pas pour des débiles et ne nous infantilise pas, et ce, quel que soit notre âge. En 13 épisodes, suivre ces aventures devient un vrai chemin initiatique, chaque aventure étant une métaphore de ce que peut vivre un enfant et avec quels moyens le combattre. L'animation à l'image des BD est douce, tendre, pastel et si mignonne. Certains thèmes seront mis en valeur par ce choix artistique et amèneront un réel contraste intelligent et pertinent qui parlera à tous. Si tu cherches une petite douceur à regarder tranquillement cet hiver avec plein de bons sentiments, d'histoires originales et de personnages attachants, fonce, regarde Hilda. À demain !